Ces derniers jours ont été intenses en termes d'efforts et d'émotions, même si ce n'était pas la victoire, c'était des belles performances. Il en reste quand même, donc voilà, je vais essayer de courir à l'avant et puis de donner le maximum sur les étapes qui vont me correspondre et où j'aurai éventuellement une opportunité. Il y a beaucoup de messages, d'encouragement, de support, donc ça fait très plaisir et j'ai hâte de rentrer en Vendée après le tour pour profiter de ma famille et de mes amis. Et voilà, je suis à mon meilleur niveau, je donne vraiment le maximum de ce que je peux faire, donc j'ai été à l'avant, acteur, mais bon, c'est pas fini, on a fait que 2 tiers, il reste 1 tiers, donc on fera le bilan dans une semaine. On ressent beaucoup de ferveur autour de l'équipe. Mathieu, c'est vrai que bah, voilà, certains diront peut-être à ce niveau-là que c'est une révélation. Pour nous, ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt une confirmation. C'est déjà, il est, malgré son jeune âge, c'est déjà son troisième Tour de France avec nous. On connaît évidemment tout son potentiel et physique et puis aussi sa détermination. Donc ça, c'est des clés de la réussite. Et c'est plutôt une confirmation de son talent qu'on a pu voir sur ces dernières étapes et ces dernières grosses performances.